c'est comme ça, même si c'est embêtant, il faut aller rouler, il faut aller dans toutes les conditions, capable de gratter les points. Allez, c'est parti. Allez, le bon départ de David Béa, le bon départ de David Béa, le châssis 4-3 qui s'en va. Allez, Flavien, si tu peux aller, envoie tes mains jusqu'à 0. À la troisième place, Simone Fianzé 4, 5, on retrouve et bien les deux, ensuite les deux châssis de N5 qui sont là avec Karen Stern, notamment et Lucas Scholl. Allez, David Béa, pas de problème, le pilote Morodet qui nous revient là dans le milieu du circuit. Et on fait 4-0-1, 433, c'est l'objectif des 5 tours pour David Béa. Allez, Flavien aussi à la deuxième position, on est dans le coup. Attention, on va du circuit là-bas avec Michael Blanc, ça claque, ça devient derrière le Kevin Peters qui est parti à la droite.
quater pour Guillaume Leduc, voilà le pilote breton. On est parti pour 7 tours. 7 tours donc dans cette finale pour Jacques qui mène. On sera chez lui. Le week-end prochain, on sera les soirs là-bas chez lui. Si les dieux de la météo nous le permettent, hein, le circuit sera bon. Parce que là, en ce moment, en parlant de circuit, est un petit peu humide. Mais bon, ça devrait s'arranger de votre bonheur durant la semaine. Champion de France, en France 2019 en deuxième position. Attention, je crois que Jacques est en grande difficulté. Oui, il me semble que c'est passé pour Guillaume Leduc. J'ai vu que l'avant de la Nissan était détruit. Alors, est-ce que ça aurait passé quelque chose? Voilà, le début d'avant. C'était cassé avant déjà. D'accord. Bon, allez, est-ce qu'on dirait que je dois faire la première victoire pour. Christophe Champin, ça serait formidable. Chouette, on a un voisin qui a fait la seule part. On a quelques minutes qui chez lui. On prendra les joues de la domicile. Thank you.
la troisième place, la quatrième place, elle est pour Yannis Mons.